Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi proposé par Cadre Emploi et le Figaro Économie. Qu'est-ce qu'on fait quand on est senior et qu'on a envie de changer de métier? Alors, dans un monde idéal, quand on est en poste, on en parle à son manager, sa DRH, qui va nous aider à évoluer. On se forme s'il nous manque des compétences et hop, on continue sa vie professionnelle. Oui, mais voilà, dans la vraie vie, les entreprises ont encore du mal à imaginer qu'elles peuvent reconvertir des financiers, par exemple, à des postes de data scientist ou des chercheurs dont on n'a plus besoin, au service marketing qui cherche à recruter. Et pourtant, ça marcherait. C'est ce qu'affirme Bénédicte de Raphaëlis Soissant, la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Clustry et que je reçois aujourd'hui. Elle a analysé 25 millions de parcours professionnels dans le monde entier et elle peut démontrer à votre DRH qu'il y a des reconversions auxquelles il n'avait pas pensé et pourtant qui marchent. DRH, arrêtez de cloner, c'est ce qu'elle affirme, pouvoir les aider à faire et je vous propose de comprendre comment. Et c'est maintenant. Bonjour Bénédicte de Raphaëlis Soissant. Bonjour Sylvia. Soyez la bienvenue. Alors avec vous, on va se faire un avis sur les big data. On va essayer de comprendre si elles peuvent être les amies de nos carrières. D'abord, on va parler de votre gigantesque base de données. 25 millions de parcours professionnels analysés, ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. D'où viennent ces profils? Expliquez-nous. Et qu'est-ce qu'ils contiennent? Ouais. Alors, ces profils, ce sont des profils publics qu'on récupère donc sur des réseaux sociaux, sur le web, sur les bases de données de CV, quand un candidat poste son CV pour une offre. Ce qui est intéressant d'abord, c'est... Sur les bases de données de CV, mais lesquelles? Enfin, je veux dire, ce sont des bases de données de vos clients ou bien ce sont des bases de données ouvertes à tous? Il y a effectivement les données de nos clients et c'est là où on a donc les données internes et on va pouvoir pousser une analyse beaucoup plus fine parce qu'on va comprendre dans leur parcours, quelles sont les évaluations, quels sont les niveaux de salaire, quels sont les souhaits de mobilité. Et ensuite, il y a les données externes, qui là sont les données publiques. Et ça, c'est nos 25 millions qu'on analyse et surtout qu'on normalise, parce que ce qui est très important dans la data, c'est qu'elle soit qualifiée et unifiée. Comme vous le savez très bien, il y a 50 façons différentes d'exprimer un même métier, en fonction de la zone géographique, en fonction de l'entreprise. Parfois même au sein d'une même entreprise, c'est le même métier. Donc, on normalise toutes ces données pour être en mesure de comparer ce qui est comparable. Donc, votre algorithme, il est capable de savoir que, je sais pas ce qu'on appelle un consultant, ça peut être un commercial ou un conseiller. Exactement. Tout à fait. En fonction du secteur d'activité. En fait, on analyse sur différentes dimensions. Il y a effectivement l'intitulé du métier, il y a le niveau hiérarchique dans la seniorité, il y a le secteur d'activité, il y a le domaine d'application. Et après, on fait de l'analyse sémantique du descriptif des missions pour être en mesure justement de normaliser encore mieux. D'accord. Et sur votre question qui était qu'est-ce qu'on analyse quand on analyse un profil, parce que c'est 25 millions de profils, mais sur un profil, on analyse énormément de dimensions. D'abord, les formations, ingénieurs, universitaires, écoles de commerce, école et quel diplôme, les compétences, le parcours, c'est-à-dire quel métier ils ont fait tout au sein de au long de leur carrière, donc à quel moment ça a eu lieu, dans quel secteur d'activité ça a eu lieu, dans quel type d'entreprise ça a eu lieu, est-ce que c'est une grande entreprise, est-ce que c'est une start-up, donc c'est évidemment pas la même chose, et puis les souhaits de mobilité et comme je vous disais, tout le descriptif des missions qui va nous permettre de comprendre vraiment ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'il y a des infos dans ce que vous avez sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire la personnalité? Est-ce qu'on sait que je sais pas, quelqu'un est plus ou moins sympathique, psychorigide ou qui a de l'humour? Est-ce qu'il y a un moyen d'analyser ça quelque part dans le profil? Je pense à des profils LinkedIn ou des profils ou alors des comptes sur Twitter. Si vous analysez ça, on peut voir si la personne est un peu marrante. Oui, bien sûr. En fait, il y a deux façons de l'aborder aujourd'hui. La première façon, c'est que d'abord, on est convaincu que pour aller convaincre des managers, comme vous le disiez en introduction, qu'on peut passer d'analyse financière à data scientist, il faut apporter la preuve factuelle et non contestable que ça s'est vu à l'extérieur et qu'ils peuvent le reproduire chez eux. Donc là-dessus, on n'est pas sur les soft skills, on est vraiment sur le parcours. Ensuite, l'autre dimension où là, on va traiter les soft skills, c'est effectivement, on va pouvoir faire du prédictif en disant, en fonction des centres d'intérêt, en fonction des activités associatives, en fonction effectivement de l'activité de la personne, on va pouvoir déduire des soft skills. Et la dernière dimension, c'est de dire l'intérêt de notre solution, c'est quand même d'être une aide à la décision, mais de laisser toute la place à l'humain et de justement de permettre aux RH de se concentrer sur l'humain et donc de leur donner les éléments nécessaires à derrière eux l'analyse de la personnalité et pouvoir se concentrer là-dessus, même si on fait du prédictif en amont. D'accord. Alors, juste une dernière question sur ce que vous analysez. Un candidat, il peut très bien mentir sur son titre, sur le temps qu'il est resté à une fonction,
sur son niveau d'anglais. Alors ça, c'est le grand classique. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas peur d'analyser du mensonge ? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. On a tous tendance à enjoliver parce que c'est un aspect de personal branding quelque part. Et justement, on est conscient de ça. Donc, dans nos algorithmes, on fait en sorte de faire tomber ces biais. D'abord parce que comme on analyse un grand volume de données... C'est votre algorithme, alors. Mais en fait, c'est des choses qu'on est en mesure de voir, effectivement, par le volume. Donc, quand on analyse un grand volume, on arrive à lisser toutes ces dimensions parce qu'on n'analyse pas qu'une personne, mais on les analyse toutes. Donc, on arrive à faire tomber ces biais. Et c'est là aussi où l'analyse sémantique est importante. Parce que si dans le descriptif, l'intitulé de mon métier, je mets que je suis manager, et que dans le descriptif des missions, on voit que finalement, il y a assez peu de preuves qu'effectivement, il y a une fonction managériale, on va du coup pondérer et ça nous permet de faire tomber les biais. Donc c'est là où le sémantique est aussi très important. D'accord. Et sur le niveau d'anglais, par contre, on ne peut pas savoir. Alors sur le niveau d'anglais, quand les niveaux sont déclarés, en fait, on arrive à les voir. Et ensuite, c'est là où on est sur l'analyse interne chez nos clients, puisque là, les compétences, elles ne sont pas seulement déclarées, mais elles sont évidemment validées par les RH. C'est là qu'on repasse à l'humain, en fait. Exactement. Il faut quand même un peu d'humain. Bien sûr, il faut de l'humain. Et c'est cet humain aussi qu'on réintègre le biais humain dans nos algorithmes, parce que c'est ce qui se passe réellement. Alors, quelles sont justement les reconversions que vous avez détectées et qui fonctionnent, qui sont peut-être des reconversions inédites, enfin, auxquelles on n'aurait pas pensé? J'en ai cité quelques-unes, mais racontez-nous un peu. Alors, pour parler des RH, parce que quand même, on aime bien, c'est évidemment la fonction à laquelle on s'adresse, on a toujours tendance à penser que le métier RH, évidemment, c'est une vocation, mais que, comme on traite de l'humain, c'est difficile d'aller sur d'autres dimensions. En fait, non, on s'est aperçu qu'on pouvait très bien passer d'une fonction RH à une fonction commerciale. L'a priori, ce serait de dire, maintenant, les RH traitent de l'humain, comment est-ce qu'ils peuvent aller sur une fonction commerciale et vendre? Mais en fait, si, c'est possible, parce qu'ils connaissent très bien les métiers de l'entreprise, puisqu'évidemment, ils chassent des talents sur ces métiers-là, donc ils sont à même, avec cette connaissance-là, de vendre autour des activités de l'entreprise et derrière de la développer. Donc ça, c'est un premier saut de carrière qui était, ouais. Qui était assez original. Vous avez d'autres exemples comme ça? Oui, bien sûr. On peut en parler de la R&D au marketing. R&D, on se dit profil très ingénieur, très recherche, comment est-ce qu'on peut faire du marketing où, évidemment, c'est complètement différent. Ouais. Et ça, on l'a notamment remarqué dans l'industrie automobile et chez des pneumaticiens, où c'est plus marqué que dans d'autres secteurs, mais où finalement, ce saut-là s'est réalisé, et à chaque fois qu'il a eu lieu, ça a été pertinent et ça a été performant. Alors du coup, moi, ça me fait penser à un truc, c'est que finalement, est-ce que vos clients ne pourraient pas se servir de votre algorithme pour orienter des seniors vers des métiers dont personne ne veut? Ça peut être un piège, ça. Alors, pas forcément dont personne ne veut, parce qu'en fait, aujourd'hui, personne ne veut aller, voyez. Oui, mais alors, il y a peu de métiers où personne ne veut aller, parce qu'aujourd'hui, on a une pluralité de métiers dans les entreprises. Je peux vous dire, il y a assez peu de candidats. Vous savez, dans quel secteur? Métier de commercial, dans tous les secteurs, ils en manquent. On s'arrache les commerciaux, justement. C'est un métier pénurique, parce que c'est là où il y a un enjeu à trouver des talents. Ce n'est pas que personne ne veut y aller, c'est que c'est difficile de trouver des talents qui puissent être commerciaux. Ouais, si en interne, je ne sais pas, vous proposez à des marketeurs de passer au commercial, ils ne sont pas forcément partants tout de suite. Mais si on propose à des RH de passer au commercial, par contre, c'est quelque chose qui plaît. C'est l'exemple que je vous donnais avant. Ici. Mais pour répondre à votre question sur les seniors, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu au sein des entreprises de dire j'ai une population senior et comment est-ce que je peux justement valoriser cette population et valoriser les potentiels au-delà de valoriser les CV. Valoriser, ça, c'est quand tout se passe bien. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas tellement valoriser. En fait, c'est surtout les caser quelque part parce que souvent, les seniors, ils n'ont pas une très bonne image dans les entreprises. Je pense que vous le savez. Bah, on a vu avec le chiffre du chômage qui est paru, on se dit effectivement, il y a de plus en plus de seniors qui sont au chômage. Nous, on a analysé le fait qu'aujourd'hui, 37% des seniors sont au chômage parce qu'ils sont vus dans leur entreprise comme ayant des compétences qui sont obsolètes. Alors que ce n'est pas vrai. C'est un mythe, l'obsolescence des compétences chez les seniors. Parce et vous démontrez ça? Oui. Pourquoi? Je vais vous donner un chiffre juste après. Mais parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, pour ces seniors-là, la plupart, ça fait des années qu'ils sont dans le même poste. Parce qu'à partir du moment où on arrive à senior, donc on se dit, tiens, à partir de 40-45 ans, bon, bah, il est senior, on le laisse dans le même poste. Mais quand vous restez 15 ans dans le même poste, et ce serait valable pour vous, Sylvia, et pour moi également, au bout d'un moment, effectivement, on est moins performant, on est moins motivé, et donc on évolue moins dans son métier. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que ça, c'est valable pour tout le monde, il faut faire évoluer les gens au fur et à mesure. Et donc, pousser des transversalités aux seniors, comme on le ferait pour des jeunes, en leur faisant confiance, en faisant confiance à leur potentiel, et en les challengeant en disant, bah, apporte ton expertise et ta connaissance que tu as en tant que senior sur un autre métier, ça permet de gagner en performance. Et le chiffre dont je vous parlais, c'est ce qu'on a vérifié, c'est que quand on propose un saut de carrière original soit à des seniors, 62% gagnent en productivité, en performance et en motivation. Ça, c'est sur les gens que vous avez réussi à reconvertir, hein, sur votre échantillon. Exactement. À vous. Donc la boîte existe depuis un an et demi à peu près. Tout à fait. Okay. C'est déjà pas mal. Qui sont ces DRH
qui vous ont écouté, qui ont pris votre solution et qui donc pratiquent ce genre de reconversion. C'est quelle boîte ? Nos clients, c'est des grands groupes aujourd'hui, principalement. Est-ce que vous pouvez en citer ? Oui, bien sûr. On a du mal à imaginer que ça puisse exister, des DRH comme ça. Mais on peut donner deux. Allez, un chercheur au marketing, enfin, qui sont assez ouverts pour ça. Il y a deux exemples qu'on peut donner, ouais. J'aimerais donner parmi tous les clients qu'on a, mais il y a deux dont j'aimerais parler parce qu'effectivement, ils sont assez différents. Il y a Engie, donc c'est grande entreprise, hein, plus de 120 000 salariés, avec, là c'est en train de changer, mais c'était une organisation par business unit, par branche, et puis avec des métiers qui sont très spécifiques, et justement l'ambition aujourd'hui d'aller sur le métier de l'énergie, donc aussi très technique, l'ambition d'aller sur le digital, et notre entreprise, pour prendre la comparaison entre ces deux-là, qui est Canal+, avec eux une pluralité dans les métiers qui existe depuis toujours, où ils couvrent vraiment une chaîne de valeur qui est assez incroyable. Dans ces deux entreprises qui sont pourtant très différentes, avec une culture qui est très différente, l'ambition exactement la même, c'est de dire comment est-ce qu'on peut casser les silos et comment est-ce qu'on peut, même si on a cette tendance à la transversalité, pouvoir l'appliquer à l'ensemble du groupe et à tous les métiers, techniques ou moins techniques. Et quand on a une pluralité de métiers chez Canal+, comment est-ce que je peux justement favoriser le fait que j'ai déjà cette pluralité et du coup proposer des carrières qui soient motivantes. Et alors chez Canal, par exemple, vous avez des exemples en tête de reconversions qui se sont faites et qui sont peut-être... Justement, chez eux, vous avez pas pensé ? Data Scientist, il y en a, ils en ont depuis toujours. Et aujourd'hui, c'est un métier à enjeu sur lequel ils se positionnent encore plus, avec le fait que c'est un gros boom. Et la problématique, aujourd'hui, tout le monde veut recruter des data scientists, donc ça va être encore plus difficile d'aller les chasser. Et justement, l'exemple que vous donniez sur le dire on va prendre des analyses financières, fait qu'ils peuvent aller chasser dans des secteurs qui sont intéressants pour eux, comme par exemple le luxe, ou d'autres secteurs dont ils peuvent s'inspirer, des analyses financières. En fait, ils se servent de vos données pour aller à la fois chercher en interne s'ils n'ont pas des financiers qui voudraient devenir data scientists, mais aussi à l'extérieur, pour recruter. Oui, en fait, on gère le recrutement, pas en chasse, mais sur l'analyse des CV qui sont reçus. Parce que les entreprises attirent énormément de monde et elles reçoivent des CV chaque année. Ça dépend des entreprises, mais on va dire plusieurs centaines de milliers. Il y a des entreprises, c'est plusieurs millions. Sur les centaines de milliers de CV qu'elles reçoivent, il y a la problématique des silos, parce que vous avez un poste où vous avez 5000 candidatures, un poste où vous en avez 300. Le numéro 5000 sur la première candidature sera jamais reçu peut-être, mais il était pertinent pour l'autre où il y en a 300. Et ça, on ne peut pas le savoir si on analyse ça par vivier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on analyse tous les CV reçus par l'entreprise et on fait des suggestions de candidats parmi tous les CV reçus. D'accord. Donc, on le fait sur l'interne et sur les CV également. De matching intelligent en exactement. Fait, entre les profils. Bénédicte, j'ai parlé de votre solution à des DRH. Oui. Et alors il y en a un qui m'a dit j'y crois pas, on ne met pas les salariés en équation. En équation. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ouais, pour lui, c'est mettre les salariés en équation. Je serais intéressée de le rencontrer d'abord et de voir comment est-ce que justement il gère sa mobilité et je serais enchantée de débattre avec lui. Alors lui, il parle beaucoup de il faut qu'il y ait un coup de cœur, il faut laisser l'humain, justement la patte humaine se faire. Bien sûr, et c'est là justement, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se consacrer sur l'humain, comme en fait ils aimeraient le faire, et d'ailleurs c'est leur métier, parce qu'en amont, ils sont submergés par des process et par le fait de ne pas pouvoir identifier les bonnes personnes. Donc vous leur faites gagner du temps. On leur fait gagner du temps et on leur permet justement, donc je pense qu'en fait on dit exactement la même chose avec ce DRH, c'est qu'il faut se concentrer sur l'humain, mais pour pouvoir se concentrer sur l'humain, il faut en amont avoir été aidé sur la décision et dire comment est-ce que je sors de ma façon habituelle de raisonner, comment est-ce que je sors des modèles, comment est-ce que justement j'ouvre mon champ de réflexion et comment est-ce que je peux penser à des personnes auxquelles je n'aurais pas pensé naturellement. Et c'est ça aussi favoriser l'humain, c'est évidemment derrière, c'est pas une question d'équation, c'est évidemment derrière rencontrer les personnes. Mais favoriser l'humain, c'est aussi pouvoir peut-être donner accès à ces postes-là à des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé habituellement et arrêter le clonage. Et c'est là où justement on favorise encore plus l'humain parce qu'on dit c'est le potentiel. Et l'analyse des données, même si ça peut justement se dire on met en équation, mais non, cette analyse des données, son but, c'est de révéler les potentiels. Donc de révéler l'humain et pas de mettre en équation et d'enfermer, bien au contraire. Et l'humain arrive après, bien sûr, au moment de la sélection. Merci beaucoup. Merci à vous. Bénédicte, alors on sait un peu, enfin presque tout hein, sur Clostream. Il y a encore beaucoup de choses à savoir. Je serais ravie de répondre à d'autres questions. À développer, on pourrait peut-être faire un match avec un DRH alors pour voir avec ce qu'il peut vous dire. En tous les cas, n'hésitez pas à réagir à cette interview, à poser des questions, pourquoi pas, on vous les transmettra et à donner votre avis pour savoir si vous êtes pour les big data ou contre les big data. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis cette interview ? À très bientôt.